C'est solidaire d'abord. Bon, grâce à Fréquence 7, on a la voix qui sort de l'ombre. Alors, cette émission s'est faite dans des conditions spéciales. Non qu'il y ait une grève, comme à la télé, vous savez, quand ils nous disent conditions spéciales, c'est ça que ça veut dire. Non, non, parce que on a fait l'émission à distance. Alors, Dominique va nous lire un texte d'une Italienne qui nous parle du futur. Jean-Louis, au téléphone. Jean-Claude, grâce à des enregistrements, et puis on va faire un montage, et on va parler de Macron qui nous dit qu'il est en guerre. Mais contre qui? Peut-être bien contre nous. Bon, il nous confine, mais il veut qu'en Europe, il y ait libre circulation. Alors pour la sacro-sainte libre concurrence, vous savez, il relève les problèmes du système hospitalier, mais il ne marque pas d'acte franc quant à la politique de santé. Bon, les incohérences de Macron... Bon, d'abord l'italienne. Alors, Dominique. Alors, je vais vous lire un texte qui a été envoyé par Francesca Melandri, qui est une italienne de Brescia. Brescia, c'est une ville où nous avons été accueillis avec des gilets jaunes d'Aubenas l'été dernier pour parler du mouvement des gilets jaunes. Et nous avons rencontré beaucoup de gens très, très, très accueillants et voilà, on en a un grand souvenir. Alors, cette lettre nous a touchés. Je la lis. Il est 0h28 à Brescia. Je vous écris d'Italie, je vous écris donc depuis votre futur. Nous sommes maintenant là où vous serez dans quelques jours. Les courbes de l'épidémie nous montrent embrassés en une danse parallèle dans laquelle nous nous trouvons quelques pas devant vous sur la ligne du temps, tout comme Wuhan l'était par rapport à nous il y a quelques semaines. Nous voyons que vous vous comportez comme nous nous sommes comportés. Vous avez les mêmes discussions que celles que nous avions il y a encore peu de temps, entre ceux qui encore disent « toutes ces histoires pour ce qui est juste un peu plus qu'une grippe, et ceux qui ont déjà compris. D'ici, depuis votre futur, nous savons par exemple que lorsqu'ils vous diront de rester confinés chez vous, d'aucuns citeront Foucault, puis Hobbes. Mais très tôt, vous aurez bien autre chose à faire. Avant tout, vous mangerez. Et pas seulement parce que cuisiner est l'une des rares choses que vous pourrez faire. Sur les réseaux sociaux, naîtront des groupes qui feront des propositions sur la manière dont on peut passer le temps utilement et de façon instructive. Vous vous inscrirez à tous, et après quelques jours, vous n'en pourrez plus. Vous sortirez de vos étagères La Peste de Camus, mais découvrirez que vous n'avez pas vraiment envie de le lire. Vous mangerez de nouveau. Vous dormirez mal. Vous vous interrogerez sur le futur de la démocratie. Vous aurez une vie sociale irrésistible, entre apéritifs sur des chats, rendez-vous groupés sur Zoom, dîner sur Skype. Vous manqueront comme jamais vos enfants adultes et vous recevrez comme un coup de poing dans l'estomac la pensée que, pour la première fois depuis qu'ils ont quitté la maison, vous n'avez aucune idée de quand vous les reverrez. De vieux différends, de vieilles antipathies vous apparaîtront sans importance. Vous téléphonerez pour savoir comment ils vont à des gens qui vous aviez juré de ne plus revoir. Beaucoup de femmes seront frappées dans leur maison. Vous vous demanderez comment ça se passe pour ceux qui ne peuvent pas rester à la maison, parce qu'ils n'en ont pas de maison. Bon, je me permets un petit ajout, parce que reloger les sans-abri peut être un problème de santé publique. Si le corona se développe dans la rue, alors là, on parle de réquisition d'appartements. Depuis tout ce temps où ce système Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, nous promettent plus personne à dormir dans la rue. Bon, avant qu'on continue avec l'italienne, bonjour Jean-Louis, alors toi, qu'est-ce que tu en penses de la politique de santé en France? Bon, mais je crois qu'avec l'expérience qu'on a tous ces temps-ci, il faut changer, à inverser complètement la politique de santé. Au vu des performances, ou plutôt contre-performances actuelles, et compte tenu du vieillissement de la population pour l'avenir, il faut exiger
qu'on a élu. L'inversion complète de la politique actuelle de santé. Quoi qu'il en coûte, entre guillemets, comme dit le président. Il faut débloquer les moyens pour maîtriser la crise actuelle. Moyens matériels, bien sûr, mais surtout moyens humains. Il y a des tests, on n'a pas assez de tests, on a 20 fois moins que la Corée du Sud. Il y a les masques qui manquent partout, y compris dans les forces de l'ordre ou les pompiers, etc. Il y a des risques de contamination liés au manque de matériel. Et également, évidemment, les lits et l'appareillage lié à chaque lit. On a supprimé des lits toutes les dernières décennies. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on n'en a plus assez. Et puis, évidemment, c'est surtout les moyens humains qui partent. Parce que quand même, pour le soin, les moyens humains sont primordiaux. Alors, on a beau parler des héros en blouse blanche, comme on dit sur ce président, hein, mais c'est de la stupidité. Hein. Alors, sur le plan de matériel, on manque de tests. On a des trucs comme la Corée du Sud qui font 20 000 tests par jour. Et nous, on est à peine à 5-6 000 maximum. Parce qu'on manque de tests. On n'a pas de tests de réserve. Et puis, alors, évidemment, tous les lits, tout l'appareillage hospitalier. Et ce qui va, et qui est obligatoire avec cet appareillage, c'est l'humain. Les infirmiers, etc., les soignants et compagnie qui manquent très largement. Bon, on n'a pas du tout la même approche ici qu'en Corée du Sud. Hein. C'est vrai que là-bas, il y a des tests de dépistage pour tous, apparemment, ça fonctionne. Hein. Il y a contrôle et fermeture des frontières. Et ceux qui n'ont pas de maladie, qui ne sont pas confinés, continuent de travailler. Alors Jean-Claude, toi, qu'est-ce que tu en penses du confinement et du vocabulaire guerrier de Macron? On est en guerre? Tranchée? Occupation? Bonjour, ici Radio Londres, solidaire. Confiné, mais en crise. Nous sommes en résistance contre ce virus guerrier. Nous vivons la première pandémie de l'ère industrielle mondialisée et connectée. Si nous la laissons courir, elle va saturer notre système de santé et tuer des malades par milliers. Notre devoir de citoyen est de tout faire pour freiner la contagion. Mais nous devons aussi questionner la responsabilité des exécutifs des dernières décennies. Ils nous ont endormis avec le credo libéral de l'Union européenne, baisser les dépenses publiques, ouvrir à la concurrence, externaliser, délocaliser, flexibiliser et rendre plus agile, y compris l'hôpital public. Le système de santé doit pouvoir faire face aux risques potentiels. C'est le rôle du Haut Conseil de Santé Publique, HCSP, et de l'établissement de préparation et de réponse à l'urgence sanitaire, EPRUS, EPRUS. La présente crise du Covid-19 a révélé quelques graves carences en termes de protection, gel, combinaison, masque et de logistique, LIDREA, test de dépistage. Tu veux dire qu'auparavant le système de santé était bien plus réactif? Le corona serait arrivé il y a 30 ans, 40 ans, 20 ans. Notre système de santé aurait été bien plus réactif. Voilà. On va où? En 2009, nous avions un stock d'État de 1 milliard de masques FFP2 pour les pros et 700 millions de masques pour les patients. La doctrine a évolué progressivement jusqu'en 2015, avec les ministres Bachelot, Bertrand, puis Touraine, pour abandonner les gros stocks et répondre au cas par cas en se fournissant sur les marchés en Chine. Il faut dire que le budget de l'EPRUS est passé entre-temps de 115 millions à 25 millions annuels, avec presque 800 millions en 2009 pour les vaccins H1N1 de Bachelot. L'hôpital public a perdu
69 000 lits complets entre 2003 et 2017 et près de 4 000 en 2018, même s'il a récupéré quelques lits en ambulatoire. On a réduit les hôpitaux de proximité, fermé des maternités au bénéfice de quelques groupements hospitaliers de territoire. Mais le centre hospitalier de Valence, avant la crise, contestait la perte de 30 lits et 50 postes de paramédicaux. Donc on comprend les conséquences de toutes ces politiques de réduction. Et la crise, nous la subissons. Mais après la crise, le jour d'après, beaucoup de choses seront à reconstruire. Il nous faudra imaginer tous ensemble un nouveau Conseil national de la résistance écologique et solidaire. Mais ce sera pour beaucoup d'autres émissions. Oui, Jean-Claude, alors tu veux dire qu'après la crise, il faudra bien faire les comptes ? Et ce système libéral uniquement comptable à la petite semaine, il faudra bien qu'il s'adapte, non ? Enfin bon, allez, tu me diras, je rêve. Allez, on va continuer avec l'italienne. Alors, Dominique, qu'est-ce qu'elle dit cette italienne ? Vous vous sentirez vulnérable quand vous sortirez faire des courses dans des rues vides, surtout si vous êtes une femme. Vous vous demanderez si c'est comme ça que s'effondrent les sociétés. Et vraiment, ça se passe comme ça, aussi vite. Vous vous interdirez d'avoir de telles pensées. Vous rentrerez chez vous et vous mangerez. Vous prendrez du poids. Vous chercherez sur Internet des vidéos de fitness. Vous rirez beaucoup. Il en sortira un humour noir, sarcastique, à se pendre. Même ceux qui prennent toujours tout au sérieux auront pleine conscience de l'absurdité de la vie. Vous donnerez rendez-vous dans les queues organisées hors des magasins pour rencontrer en personne les amis, mais à distance de sécurité. Tout ce dont vous n'avez pas besoin vous apparaîtra clairement. Vous sera révélé avec une évidence absolue la vraie nature des êtres humains qui sont autour de vous. Vous aurez autant de confirmations que de surprises. De grands intellectuels qui jusqu'à hier avaient pontifié sur tout n'auront plus de mots et disparaîtront des médias. Certains se réfugieront dans quelques abstractions intelligentes, mais auxquelles fera défaut le moindre souffle d'empathie, si bien que vous arrêterez de les écouter. Des personnes que vous aviez sous-estimées se révéleront au contraire pragmatiques, rassurantes, solides, généreuses, clairvoyantes. Ceux qui invitent à considérer tout cela comme une occasion de renaissance planétaire vous aideront à élargir la perspective, mais vous embêteront terriblement aussi. La planète respire à cause de la diminution des émissions de CO2, mais vous, à la fin du mois, comment vous allez payer vos factures de gaz et d'électricité ? Vous ne comprendrez pas si assister à la naissance du monde de demain est une chose grandiose ou misérable. Vous ferez de la musique au balcon. Lorsque vous avez vu les vidéos où nous chantions de l'opéra, vous avez pensé « Ah, les Italiens !» Mais nous, nous savons que vous aussi vous chanterez la Marseillaise. Et quand vous aussi des fenêtres lancerez à plein tube « I will survive », nous, nous vous regarderons en acquiesçant. Comme depuis Wuhan, où ils chantaient sur les balcons en février, ils nous ont regardés. Beaucoup s'endormiront en pensant que la première chose qu'ils feront dès qu'ils sortiront sera de divorcer. Plein d'enfants seront conçus. Vos enfants suivront les cours en ligne, seront insupportables, vous donneront de la joie. Les aînés vous désobéiront comme des adolescents. Vous devrez vous disputer pour éviter qu'ils n'aillent dehors, attraper le virus et meurent. Vous essaierez de ne pas penser à ceux qui, dans les hôpitaux, meurent dans la solitude. Vous aurez envie de lancer des pétales de rose au personnel médical. Bon, alors, c'est vrai qu'ils parlent de gouvernance mondiale. Mais on voit que leur perspective, leur compréhension, n'est que comptable à court terme. Alors, ce virus, c'est un grain de sable. Bon, alors, gouvernance mondiale, tu disais quoi, Jean-Claude ? On viendra à bout de ce fichu virus, c'est sûr. Mais le jour d'après, une autre crise nous attend, totale, économique, financière, bancaire. Et la tentation des pouvoirs en place sera de profiter de cette urgence économique pour durcir encore une sorte de gouvernance mondiale, comme ils disent, et contrôler toujours plus les peuples réticents.
car, sans tomber dans un complotisme primaire, cette ambition de gouvernance mondiale est bien présente et a même pignon sur rue. Il suffit de penser aux différents groupes genre Bilderberg, Trilatéral, Forum de Davos ou autres G20. Chez nous, en France, la Fondation Saint-Simon, créée en 1982, regroupant des intellectuels et entrepreneurs proches de la haute administration, a œuvré pour une démocratie libérale, atlantiste et européenne. On a pu y croiser la plupart des journalistes et des élites contemporaines. Plusieurs rapports. Nora Menck en 1977, Menck en 1994, Forou en 1995 ont été rédigés par des membres de la Fondation et la Fondation a ainsi animé le paysage politique français jusqu'à son autodissolution après l'échec de la réforme des retraites en 1995. Déjà, les retraites. À l'international, la fondation Bill Gates œuvre dans ce sens à l'image de nombreuses fondations humanitaires. Bill Gates a choisi l'approche médicale et prône une vaccination mondiale depuis plusieurs années. Ironie du sort, le 29 octobre 2019, le jour même de l'ouverture des Jeux militaires mondiaux de Wuhan en Chine, la fondation Bill Gates avait organisé à New York Event 201, une grande réunion dont le thème était une pandémie à coronavirus démarrant en Amérique latine. On peut trouver la vidéo sur YouTube. Quelle coïncidence! Chez nous, dans le Dauphiné libéré du samedi 20 mars, on trouve deux grandes colonnes d'un interview de l'intellectuel Pierre Rosanvallon, mettant en garde contre le populisme d'après-crise. Comme par hasard, il se trouve que ce grand expert a été l'un des initiateurs de la Fondation Saint-Simon. Comme on se retrouve. Alors merci Jean-Claude, et on va retourner au téléphone avec Jean-Louis. Alors, et toi Jean-Louis, quel futur pour notre planète ? Nous ne sommes pas les gouvernants actuels, mais il faut envisager le futur. Car on ne compte plus les rapports de prospective à long terme sur la survenue des pandémies de ce type. Cette probabilité est d'autant plus grande que la pression des activités humaines sur les écosystèmes sauvages s'accroît sans relâche, induisant, notamment en Asie, une promiscuité entre faune sauvage et population humaine dense, des conditions idéales pour la transmission interespèce. Alors face à une maladie nouvelle et grave, la taille des systèmes hospitaliers est un élément important. Alors selon le CDE, au Japon et en Corée du Sud, ils ont environ 12,5 à 13 lits pour 1000 habitants. Japon et Corée du Sud. Bon, le Japon, on se l'explique un peu la Fukushima, forcément. En France, on est à 6,1 lits pour 1000 habitants. Et aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils en sont à 2,8 à 2,5, les politiques néolibérales. Donc, ils n'ont presque rien. Le cas extrême, c'est Trump. Il a pris la décision en 2018 de supprimer l'administration chargée d'évaluer les risques pandémiques. Et chez nous, d'ailleurs, les nombreux chercheurs sont désolés du manque de crédit alloué à la recherche des différentes souches de grippe et de coronavirus. Voilà, l'avenir est tout à fait chantant. Alors, Trump a supprimé l'administration chargée d'évaluer les risques pandémiques. C'est ça la poésie libérale. On entend les piécettes tintinabulées, vous savez. Ah, ça, voilà, ça sonne bien. Hein. Bon, on va bientôt terminer cette émission de Solidaires d'abord avec ce texte magnifique de cette Italienne de Breccia.
dont Dominique nous lit la fin. On vous dira à quel point la société est unie dans un effort commun et que vous êtes tous sur le même bateau. Ce sera vrai. Cette expérience changera à jamais votre perception d'individu. L'appartenance de classe fera quand même une très grande différence. Être enfermé dans une maison avec terrasse et jardin ou dans un immeuble populaire surpeuplé, non, ce n'est pas la même chose. Et ce ne sera pas la même que de pouvoir travailler à la maison ou voir son travail se perdre. Ce bateau sur lequel vous serez ensemble pour vaincre l'épidémie ne semblera guère être la même chose pour tous, parce que ça ne l'est pas et ne l'a jamais été. À un certain moment, vous vous rendrez compte que c'est vraiment dur. Vous aurez peur. Vous en parlerez à ceux qui vous sont chers, ou alors vous garderez l'angoisse en vous, afin qu'ils ne la portent pas. Vous mangerez de nouveau. Voilà ce que nous vous disons d'Italie sur votre futur. Mais c'est une prophétie de petits, de très petits qu'à votre âge, quelques jours à peine. Si nous tournons le regard vers le futur lointain, celui qui vous est inconnu et nous est inconnu, alors nous ne pouvons vous dire qu'une seule chose. Lorsque tout sera fini, le monde ne sera plus ce qu'il était. Bon, merci encore à Fréquence 7 de nous permettre d'avoir cette voix différente et pas pareille. Et donc, restez forts, restez courageux, le corona nous aura pas. Mais soyez aussi très très vigilants, parce qu'après, évidemment, ce pouvoir va essayer de aller, pour dire ça gentiment, nous en papaouter. Mais on sait bien que ils vont pas nous redistribuer les choses comme ça. Et donc, ne serait-ce que pour la santé, avant qu'ils reviennent vraiment sur un monde normal, un monde où la santé pourrait être partagée pour tous, on sait qu'il y a encore du chemin. Et pour partager le reste, alors n'en parlons pas. Bon, allez, à bientôt. Ciao.